Amoureux et amoureuses de la cuisine gabonaise, bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, inspiré du livre de la gloire, nouvelle recette, toute simple, on va cuisiner des atanga. Alors, c'est une recette vraiment assez rapide. Les atanga sont un fruit, voilà, on va dire ça comme ça, un fruit qu'on retrouve au Gabon, qui pousse sur un atangatier, ou certains les appellent aussi safou, donc ils poussent sur un safoutier, c'est selon. Ils ont une couleur assez violacée, de rose à violet, parfois noir. Donc pour les cuisiner, c'est très simple, on fait chauffer de l'eau, on ne fait pas bouillir. Une fois que l'eau est chaude, on rajoute les atanga à l'intérieur et on va les couvrir 10 à 15 minutes. Pour savoir si les atanga sont prêts, ben c'est très simple, vous touchez, ils doivent être mous, à la limite, comme si c'était du beurre en fait. Vous pouvez voir qu'il y a des petits traits, on peut dire des petites ouvertures sur la peau, ben, ça veut dire que c'est prêt. Vous pouvez rajouter un peu de sel, voilà comme on fait. Je me rappelle qu'on était très jeunes, on mangeait ça avec de l'huile, du manioc et du sel. C'est super bon. Il y en a qui mangent ça même avec du pain. Les gens du Nord, là. Je n'ai pas cité leur nom, en tout cas. Vous pouvez également manger ça avec du manioc, des tubercules de manioc, de la banane plantain semi-mûre, de l'igname, des taros, des cassadons. En tout cas, vous pouvez manger la tanga avec tout ce que vous voulez. C'est tellement bon. Aussi, ça peut accompagner tous vos plats. Ça peut être un accompagnement supplémentaire. Là, par exemple, c'est avec de l'oseille, du poisson frit, du manioc et quelques atanga à côté. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Mettez-nous en commentaire votre recette préférée d'atanga. Chez Gastronomie Gabonaise, on va vous montrer la nôtre. Donc, c'est l'atanga cuit en paquet. Dans notre langue, en Ndoumou, c'est la langue de notre défunte maman, on appelle ça Moufete, les Tékés et les Omamba appellent ça Ouyaba ou Poro. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, pour ceux qui veulent se procurer le livre, tous les points de vente sont en description. N'hésitez pas. Mettez-nous également en commentaire si vous voulez une prochaine vidéo. Et voilà. Bisous, bisous chez vous.